Faites le plein d'émotions en regardant votre divertissement avec Laser Game Evolution. Laser Game, c'est nous. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Chez vous Sport pour la dernière de cette saison. Nous parlons vélo cette semaine à l'UC Nantes Atlantique et avec nous bien le président compétition Stéphane Le Breton, bonjour. Bonjour. Président, tout jeune président d'ailleurs. Tout jeune président, oui, en effet, ça fait quelques mois que j'ai été élu au titre de président de la section compétition de l'UC Nantes Atlantique. Alors comment vous vous êtes retrouvé président et comment on devient président de la section compétition? Une farouche envie de s'occuper de vélo? C'est venu totalement par hasard où j'ai été sollicité en tant que responsable d'entreprise. Nous sommes amenés à sponsoriser des clubs locaux autour de nos points de vente. Et là, j'ai fait la rencontre d'Anthony Ravard, un des directeurs sportifs que vous allez rencontrer tout à l'heure. Il m'a présenté son projet de développement d'un centre de formation. J'ai bien aimé aussi le personnage et à ce titre, je suis rentré comme sponsor du centre de formation géré par Anthony Ravard il y a maintenant 2 ans et demi. On va rappeler ce qu'est une équipe de DN1, c'est le plus haut niveau amateur, c'est ça? C'est ça, c'est le plus haut niveau amateur au niveau national. Au-dessus, vous avez le monde professionnel. L'équipe de DN1 de Nantes Atlantique participe à beaucoup de courses professionnelles, ce qu'on appelle les courses de classe 2, mais on reste à un statut dit amateur. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de ce club de l'UC Nantes Atlantique? Nous, aujourd'hui, le projet, il est très simple. Hein. Il est axé au niveau d'un point précis, c'est la formation. La formation, c'est créer un vrai centre de formation dans le vélo, ce qui n'existe pas beaucoup, axé autour du double projet. Donc formation académique, formation sportive. Formation académique axée autour de certains lycées de Nantais et de l'école du Sens. Formation sportive avec les salariés du club qui sont diplômés d'État et qui ont comme objectif d'amener l'athlète au plus haut niveau, voire même le faire passer professionnel. Vous n'avez pas peur justement qu'ils partent dans les grands clubs professionnels, enfin dans les grandes équipes professionnelles? Non, c'est notre mission numéro 1. Moi, si demain, je peux voir un garçon que j'ai eu pendant 3-4 ans au sein de l'équipe et qui passe professionnel avec son bac, son BTS ou un autre diplôme d'enseignement supérieur et qui passe professionnel, pour moi, alors là, ça sera vraiment la consécration, ça sera superbe. Et la mission sera réussie. Merci beaucoup en tous les cas. Et puis, on se retrouve demain ici à l'UC Nantes Atlantique pour un nouveau numéro de Chez vous Sport. Salut. Que d'émotions en regardant votre divertissement avec Laser Game Evolution. Laser Game, c'est nous.